Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 18 à 26. Tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean-Baptiste, voilà qu'un chef s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant: « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer les mains et elle vivra. » Jésus se leva et se mit à le suivre, ainsi que ses disciples. Et voilà qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha à la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même: « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna, la vit et lui dit: « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et la femme fut sauvée à l'heure même. Jésus arrivait à la maison du chef dit en voyant les joueurs de flûte et l'agitation de la foule: « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand il eut mis la foule dehors, il entra et saisit la main de la jeune fille qui se leva. Et la nouvelle se répandit dans tout ce pays. Louange à toi, Seigneur Jésus.